Salut à tous, c'est Enti, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour ce deuxième épisode sur Animal Crossing New Confinement. Et on a Tom Nook qui nous dit salut Coville, c'est Tom Nook. C'est l'heure du bulletin insulaire, votre source d'information favorite. Je vais aborder un point essentiel de la vie sur l'île, alors prêtez une oreille aussi attentive qu'insulaire. Voici les informations du jour. Un cerveau a fait son entrée à Coville, j'ai nommé Thibou. Il se passionne pour tout ce qui a trait à la biologie, présente et passée, et veut étudier Coville. J'espère que vous lui ferez un accueil chaleureux. Les insulaires curieux sont invités à visiter sa tente. Voilà qui conclut ce bulletin. Vous pouvez retourner vaquer à vos activités insulaires. Oui, oui. Très bien. On est bien. On a compris. On est tranquille. Et... dès le début, là, les amis, le chrono va se lancer parce qu'on va directement être à l'extérieur de la maison, hein, si je dis pas de bêtises. Thibaut, moi, il est arrivé en 3 jours de jeu. Et là, en 1 jour. Alors non, c'est le 3e jour, Black. Alors, on a alors les petites roses et les petits trucs qui ont commencé à pousser, alors qui n'ont pas encore totalement poussé, mais c'est pas très grave. Regardons un petit peu. On va, je vous propose d'aller directement voir Tom Nook, juste ici. Ou alors on peut aller voir Thibou. Vas-y, on va aller voir Thibou. On va aller voir Thibou dès le début. Comme ça, au moins, ce sera fait. Hop. Plus que 59 minutes 30. J'adore l'idée du challenge. Yes. Putain, c'est vraiment, il est vraiment joli, hein, sa petite tente. J'aurais préféré qu'il garde une tente toute sa vie, en fait, Thibou. Je nourris un appétit insatiable, machin. En personne, c'est moi le philanthrope. Ça fait un peu safari, ça fait trop cool. T'as l'impression qu'il s'est installé à Jurassic Park et qu'il est en train d'étudier des trucs dans sa petite tente. Je la trouve vraiment géniale, sa tente. Grave, la tente est si mims, de ouf. Je compte me confiner. Je ne compte pas me confiner aux insectes et aux poissons. J'ai aussi me confiner. Ah oui, tu te confines, toi. Toi aussi tu te confines. Bah du coup Thibaut, pas de soucis, bah t'es dans le thème, hein. T'es grave dans le thème. Allez, vas-y, donne-moi sur mon Nookphone, je ne sais pas quoi, et on va être bon. Je te suis tout le long de la première île et cette idée est géniale. Cela change, bravo. Merci à toi Pixieland, ça fait plaisir. Je t'ai envoyé le plan de bricolage d'une pelle, on va enfin avoir la pelle. Ça c'est génial. Merci beaucoup Thibaut. Alors, il veut que je trouve 15 spécimens. Déjà, j'en ai quelques-uns à lui donner. Je crois que j'en ai un. C'est déjà pas mal. Le Bernard l'Ermite. Voilà pour vous, Thibaut. Burk, un Bernard l'Ermite. Je te présente mes excuses. Il n'y a aucun souci. Non, non, non. Me raconte pas un petit peu tout ce qu'on a envie de savoir. Donc, l'idée, ça va être quand même de réussir à faire 14 dons, hein, pour qu'il ait son musée... enfin, pour qu'on puisse faire le musée. Il va falloir qu'on fasse une pelle. Est-ce qu'on a de quoi faire une pelle? Je sais même pas comment on fait une pelle. Oula, attention, on est à l'extérieur, il faut compter le chrono. Je ne sais même pas comment on fait une pelle. Il y a des champignons maintenant. Mais non. Je sais même pas qu'il y a des champignons, les gars. Je découvre qu'on peut avoir des champignons. Ah, le 3 clochettes. Combien j'ai de clochettes? J'ai 13 000 clochettes. Ça peut être intéressant de poser les trucs dans le trou à clochettes. Clairement. Est-ce que je lui ai déjà filé celui-là? Le grillon des prés. Je pense que je lui ai déjà filé le grillon des prés. On ira voir. On ira voir. Bon, on va aller dans la tente de Nook. Pour voir ce qu'il va nous demander. Ah, ils sont en train de parler, ça y est. Vu l'augmentation du nombre de propriétaires, il serait sans doute opportun d'ouvrir une boutique. Toutefois, les logis... J'ai oublié de mettre pause. Toutefois, les logis de nos clients doivent conserver la priorité dans nos projets de construction. Je ne doute pas que tu sauras résoudre ce menu inconvénient en un rien de temps. Voilà tant d'années que Mello et toi, vous vous formez auprès de moi. Donc ça y est, là on va enfin pouvoir avoir la boutique. Donc c'est bien, ça va vite. On va très vite avoir la boutique. Une maison offre tellement de possibilités, le sol, le papier peint, sans parler de l'espace de rangement. C'est vrai que maintenant on a une maison, on n'a plus une tente. Académie des joyeux décorateurs, nanana, cytologie, bidule. Sache que l'évaluation, ce qui nous amène à ton emprunt. Ok, bah, j'ai pas suffisamment pour le moment, mais t'inquiète pas, je te rembourserai, Tom.
Le ticket Miles Snook. Le ticket Miles Snook, il s'agit d'un bon pour voyager. Alors, j'aurais pas le droit de l'utiliser. Qu'on ne peut obtenir qu'en échange de Miles. Tu connais le dilemme, aménager l'île, ce ticket. C'est l'aventure, rencontrer d'autres personnages ou rassembler des matériaux spécifiques pour un projet de bricolage. On n'aura pas le droit d'y aller, hein. Je vous rappelle que dans nos règles, on n'a pas le droit d'aller à l'extérieur. Mais, non, je veux pas lui parler, Attends, je veux pas lui parler. Ah oui, il y a quelque chose dont je voulais te parler. Voilà, si tu as 2 minutes pour moi, c'est rapport à un engagement à long terme. Alors si tu veux discuter, pas de stress. Bien sûr, il va me parler de la boutique. Mais là, c'est pas considéré comme si j'achetais dans le magasin, là, pour le moment. J'ai le droit de faire qu'un seul achat par jour, enfin, qu'une seule salve d'achat par jour, mais là, c'est pas considéré. Je me disais que tu serais peut-être intéressé par une collaboration d'un nouveau genre. La construction d'une boutique. Notre île accueille désormais des propriétaires, nous devons répondre aux besoins que ça implique. J'aimerais proposer un plus grand choix de produits, mais comme tu le vois, je suis un peu à l'étroit ici. J'en ai parlé à notre président et il reconnaît qu'il y a un vrai besoin. Le problème, c'est les matériaux de construction. Très bien, mais on a aussi besoin, pour notre projet résidentiel. Du coup, j'aurais une faveur à te demander. Est-ce que tu crois que tu pourrais collecter des matériaux sur les arbres et les rochers autour de toi? Notre étude d'impact indique que cela n'aura pas d'effet sur la flore. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Ok. Merci mille fois. Alors, il faut du bois dur, du bois 30, du bois tendre et 30 pépites de fer. Ça va être compliqué, les 30 pépites de fer. Ça va être super compliqué d'avoir les 30 pépites de fer. Ça m'étonnerait qu'on arrive à choper les 30 pépites de fer aujourd'hui. Ça me paraît très complexe. Vu qu'on a pour le moment que 2 pépites de fer. Je crois qu'on en a que 2, hein, on n'en a pas d'autres. Non, je te parle pas. Non, mais dégage en fait. Non, je te parle pas. Ah non, on en a 7. On en a 7 et il nous en faut 30 au total. Ok, on va aller... Est-ce que j'ai des trucs? Ouais. On va aller à l'intérieur. Hop. Désolé, hein, mais je peux pas te parler, hein, mec. Hein. C'est pas possible. Hein. Faudra aller sur d'autres îles pour les pépites. Eh ben non, c'est interdit. C'est interdit, Maitso Mikey. Ça fait partie des règles. Donc non, nous n'irons pas sur d'autres îles. Puisque les règles me l'interdisent. Si elle veut te donner un item et que ton inventaire est plein, elle t'envoie par la poste. Ah, c'est smart ça. C'est smart. Donc ça peut être un moyen de récupérer ces items. Ok. Veux-tu bricoler autre chose? Oui. On veut faire une pelle. C'est parti. Avec 5 bois durs. C'est parfait. Arrêtez pour l'instant. On va être bien. Ok. Et donc, on va pouvoir... Alors, on pourra mettre des trucs dans notre stockage, hein, mais on verra plus tard. Pour le moment, on est un petit peu en mode... je pose les trucs... je pose les trucs et je m'en fiche un peu. Lâcher. Ok. Ce qu'on voulait faire et ce qu'on va faire directement, c'est aller de l'autre côté de l'île et tenter de récupérer tous les rochers. Je crois qu'on en a un. Ah, attends, ça je prends. La bouteille à la mer. On prend, il y a un plan de bricolage dedans, c'est important. Un miroir plein pied en bois, ça va être top, on va pouvoir se changer si on a envie. Et on y va. Du coup, ça va être galère, t'auras pas beaucoup d'habitants. Mais bien sûr que si, Maitso Mikey. Tu vas voir. Tu vas voir, tout va bien se passer. Rien ne sera galère. Alors. Je crois qu'on avait un caillou. Si je dis pas de bêtises. Alors, attends. On va en profiter, tiens, pour prendre les fossiles. Ce sera déjà ça. Hop. Un fossile. Deux fossiles. Merci, monsieur. Là, on est bon. Et ensuite, on va se faire ce petit rocher. Let's go. Allez, des pépites de fer, s'il vous plaît. Des pépites de fer. Une, deux, trois,
4, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, 4 pépites de fer sur un... Sur un rocher. C'est plutôt propre. Hop, hop. Hop, hop. Ok. Donc il n'y en avait qu'un ici de rocher ou il y en avait un deuxième? Je sais plus. Je crois que de ce côté-là, on n'en a qu'un seul. Je sais plus. On en a peut-être un autre un peu plus loin. Il n'y en a pas là, 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 il n'y en a pas là. On va prendre le fossile juste là. Bien sûr, on a déjà remboursé les 5000 miles. Hein, on l'a fait la dernière fois. Ok, tout ça c'est récupéré. Là c'est bon. Et ok. Donc on n'a pas... On n'a pas encore... on n'a pas d'autres rochers de ce côté-là. Malheureusement. C'est pas, on va retourner dans la partie classique. Et on y va. Tranquillement. Je suis le seul qui a réfléchi à recommencer. Ah ouais, tu voulais tout recommencer depuis le début? Ok. Bah c'est... Après voilà, chacun fait comme il veut, hein, j'ai envie de dire. Si vous avez envie de recommencer une partie pour suivre un petit peu ce challenge en même temps, c'est vous qui voyez. Allez. 2, 3, 4. C'est pas mal, hein, 5 pépites de fer, là. 5 pépites de fer sur un rocher, c'est ultra propre. C'est ultra propre. Je vous rappelle qu'il nous en faut 30. On en a 16. On en a 16. Ça va être compliqué, je pense, d'avoir les 30 aujourd'hui. Après, si on échange ceux, peut-être. Mais voilà. Est-ce que des pépites de fer, on peut pas en trouver dans les ballons? Non, je crois pas qu'on puisse en trouver dans les ballons. Non, je crois que dans les ballons, c'est pas possible. Tu peux trouver de l'argile dans les ballons, mais pas des pépites de fer. Quoique, peut-être que si. Si, tu peux en trouver. Ok, donc ça peut être un moyen de les farmer, les pépites de fer aussi. 1, 2, 3. Là, c'est beaucoup moins... C'est un peu relou. C'est un petit peu relou. Ok, on referme ça. J'en ai déjà eu, mais c'est rare. Ouais. Ouais, moi aussi, ça me dit un truc. Je crois que j'en avais déjà eu. Faut que je fasse attention à ce que la pelle ne casse pas. Quand même. Alors, on y va. Hop. Putain, il y a plein de champignons partout. Hein. C'est hallucinant, ça. Oui, c'est bon, je suis bien placé, là. Allez, on y va. 1. 2. Donc, 1. 2. 3. Allez, 3 pépites supplémentaires. C'est pas mal. Je sais pas où il est, le... Il a disparu. Il a dû disparaître, l'espèce de coléoptère, là. Ou je ne sais quoi. Enfin, il a dû disparaître. Ok. Alors, on est pas mal. Non. Là, on n'a pas de rocher. Là. Là, on a un rocher, juste ici. Allons-y. Let's go. C'est le rocher à clochette. Allez, on se prend plein d'argent. Voilà, ça c'est grave propre. Ça fait plaisir. Là, on est content. 8. Nice. Allez, ça y est, on commence à avoir plein d'argent. Là, on est content. Ok. On va aller devant le rocher à devant le trou à clochette. Juste là. Et je vous propose qu'on plante. Est-ce que je peux planter maintenant ou pas? Est-ce que je peux planter sans la... Oui, je dois pouvoir, non? Je sais pas. On va se faire un sac de 10 000 clochettes. Peut-être qu'il faut forcément empocher la chette. Hein. Il faut que je refasse un... J'espère qu'il va pas se fermer, le 3 clochettes. Si je quitte, si je pars, il va pas... Non, il va pas se fermer. Normalement, il se ferme pas.
Ok. J'ai pas assez de bois. J'ai pas assez de bois. Il faut du bois dur pour faire une pelle. Il faut du bois dur. Là, il y en a combien? Bois dur. Il y en a un seul. J'en ai pas plus que ça. Deux. Trois. Quatre. Et... 5, c'est bon, il s'est pas refermé. Est-ce que quand tu auras le masque, tu auras le droit de parler aux habitants ou toujours pas? Ouais, je pourrais leur parler quand j'aurai un masque. J'aurai la possibilité de leur parler sans souci parce que enfin, je les contaminerai pas quoi. Mais là, pour le moment, j'ai pas la possibilité de leur parler parce que j'ai pas de masque, tu vois. Donc c'est parti. L'appel. Elle est là, au travail. Parfait. Arrêtez pour l'instant. On va aller chercher les Nook Miles. Parce que je sais qu'on a pas mal de Nook Miles là à récupérer. Bûcheron, bûcheur. Parfait. Ah, le 2? Ah oui, d'accord. On a tout à récupérer, mais c'est incroyable. Ah oui, on s'en sort bien. Ok. Fossile, vrai Miles. Ok, fossiles, vrai miles. Des cailloux et la pelle, 500 miles. Ensuite, l'arroseur arrosé. Arroser les fleurs. Ça, on récupère. Forestation, 10, c'est good. Voilà. Maison de rêve, 1 sur 1. Hop. 6 pieds sous terre. 6 pièces sous terre, pardon. On est bon. Et on est pas mal. On est pas mal. On va pouvoir ressortir dehors avec notre pelle. Et continuer. Tu time travel. Non, time travel pas, Maxence. Même si en soi, ça changerait pas grand chose au challenge. Le fait de time travel. On time travel quand même pas. Alors, on va prendre la pelle dans la main. Équiper. Bam. Et notre premier arbre à clochette, il sera. Juste ici, comme ça, 30 000 clochettes dès demain. Ça, c'est cool. Alors, donc, attends, j'ai cassé celui-là. J'ai cassé celui-là. Je crois que j'ai fait tous les rochers. Hein. À moins qu'il y ait un rocher là-bas derrière que j'ai oublié. Mais je crois que j'ai cassé tous les rochers que je pouvais casser. Je sais plus. Celui-là, je l'ai fait. Ouais. Là-haut. Est-ce qu'il y en a un là-haut? Je récupère hein, tout le bois qu'on avait fait tomber la dernière fois. Vu qu'il va falloir de toute façon en donner à Mélie. Autant faire ça maintenant. Il en faut 30 de chaque espèce, c'est ça de bois. Hein. 20, 20 et 9. Hein. Très bien. Nice. Non, j'ai pas détruit mon ancienne île. Hop. Ok. Thibaut, faudra lui faire expertiser les petits fossiles. Bien entendu. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. On est bien. Là, encore du bois. Ok, je crois qu'on est pas mal et qu'on a récupéré une bonne partie du bois qu'on avait laissé la dernière fois. Il en reste encore un petit peu ici. Ok. Est-ce qu'on a pas mal de place sur nous? Oui, on a quand même ce qu'il faut. On va aller chercher le reste du bois qui est de l'autre côté. Parce qu'on avait amené du bois par ici. La musique est tellement calme. Ça détend carrément. Ah bah ça, c'est Animal Crossing. Hein. Ça détend de ouf. Hein. Il est gros ce poisson là. Il est gros ce poisson. Bah j'ai pas ma canne à pêche. Dommage.
Dommage, dommage. Allez, on prend tout ça. Bam, bam, bam. 47 minutes, c'est short hein, pour faire tout ce qu'on veut faire. Genre vraiment. Hein. C'est pas simple. Hein. C'est pas simplissime. Hein. Coucou petit mouchou. Hop. Va falloir speed. Bah ouais, ouais, j'essaye. J'essaye au maximum. Hein. On essaye au maximum de speed et d'être bien. Tiens, la vidéo est sortie, AK, ou pas, du coup? Normalement, elle a dû sortir, je pense. Yep, ok, parfait. Comment ça se passe, ton challenge? Plus dur que prévu? Bah, en fait, on est au deuxième épisode, donc c'est la deuxième fois qu'on joue. Je t'avoue que je me sens pas encore pressé de ouf par le temps, mais je pense que ça va pas tarder à venir. Là, il me reste 46 minutes, donc je considère que je suis plutôt pas mal. Mais je pense que ça va vite évoluer et qu'on va assez vite déchanter, peut-être. Hop. Non, ça va, c'est pas dur. C'est juste qu'il faut, il faut penser à pas mal de choses. Ah, plus de place. Laissez tomber. C'est juste qu'il faut penser à pas mal de choses. On en est à où là? On est à 30, 30 et 24. Très bien. On va aller retourner par ici. Bam. T'as des impératifs à faire dans tes journées sur Animal Crossing? Y a pas d'impératif, Michi. Le seul impératif, c'est de ne pas être dehors pendant plus d'une heure. C'est le seul impératif. Après, mon but, c'est aussi quand même de le réussir, le challenge. Donc, c'est-à-dire d'aller le plus vite possible récupérer Kéké. Donc, pour ce faire, il faut que j'arrive à m'en sortir plutôt rapidement. On va mettre des trucs dans le stockage. Hop, entreposer. Est-ce que j'ai assez pour me faire une hache? Je dois avoir assez pour me faire une hache au travail. Et on va se faire une petite hache de manière à pouvoir acheter, enfin prendre du bois et récolter des ressources. On va même s'en faire une deuxième de hache. Je sais pas à partir de quand ils vont me faire les haches un petit peu plus sympas. Nous verrons. Hop. Faudra que j'aille apporter les fossiles à Thibou. On va peut-être le faire maintenant, apporter les fossiles à Thibou en vrai. Ça peut être pas mal. Je vais entreposer les cerises. Je vais entreposer les cerises. Entreposer. Hop, entreposer. Ça va, quand on est à l'intérieur, on est tranquille. Les pépites de fer, je vais les entreposer aussi. Là, je me garde suffisamment de bois pour enfiler à machin. Et ce sera déjà pas mal. Très bien. Let's go. On y va. On va dehors. Faut payer des miles pour bricoler de bons outils. Ouais, peut-être. On va voir si on a assez pour réussir à... Alors, arrosoir rudimentaire. Tiens, Aaron. Non, je te parle pas. Merci, Maxime QLF, pour ton sub. Ça fait grave plaisir. Hop. Merci pour ton soutien. C'est ton premier mois en plus. Ça fait super plaisir. On va d'abord aller chez Thibou. Bam. On va aller chez Thibou et on va lui envoyer des trucs. Tu n'as pas peur de te lasser du gameplay avec la limite d'une heure? Bah non, justement, Astro Rose. C'est la limite d'une heure va justement pas du tout me lasser du gameplay parce que vu que je dois faire les trucs le plus rapidement possible, ça ajoute un stress dans un jeu qui de base n'est pas stressant et c'est super intéressant. Il n'y a pas de doute possible. Par contre, on peut lui donner que un par un là les 15. Oh, il est relou le Thibou. Il est relou, un torse. Très bien. On peut lui donner que un par un.
Plus tard. Merci Michocolat qui est en Spark depuis 6 mois. Coucou, continue comme tu es car tu es super. Merci à toi Michocolat. 6 mois. Merci beaucoup. Désormais je te... Ah il peut... D'accord, ok, il peut expertiser plusieurs trucs maintenant. Encore 13 dons. Il va s'en dire... Ok, bon maintenant on va lui demander d'expertiser. Mais merci beaucoup là, il y a pas mal de subs et tout, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Alors... Hop. Et hop, expertise les deux fossiles. Ça fait bizarre de recommencer. Ça va. En vrai, le début d'Animal Crossing est tellement lointain pour moi que j'ai presque l'impression de jouer à un nouveau jeu. Mais j'ai rien à lui donner. Ah si, je lui donne les queues de... Le corps de Stegosaur et après le queue de machin. Ah si, si, je dois bien lui donner un par un alors le truc. Ah ouais, c'est relou. Prends des animaux marins, tu les chopes plus vite. Ouais, t'as raison. Quand tu dis animaux marins, tu veux dire en allant sous l'eau? Ou tu veux dire des poissons? Poisson, c'est un animal marin. J'ai quelque chose. Tiens. L'objectif, là, aujourd'hui, ça va être principalement de... d'essayer d'avoir les 30 pépites, même si ça me paraît compliqué parce qu'on en a 22. Faudrait qu'on tombe en fait dans un ballon sur 10 pépites de fer. Mais sinon on n'aura pas moyen de déclencher la construction de la boutique. Mais par contre pour le musée, normalement on peut s'en sortir aujourd'hui. Devrait pas y avoir de soucis. Voilà. Donc c'est cool. On a Kolala et Jano ouais, comme habitants. En effet. Je casse les arbres. Hein. Comme ça, ça sera fait. Enfin, je casse les arbres. Je casse pas les arbres. Je coupe du bois. Comme ça, on sait que on a du bois en réserve. C'est le principal. Voilà. Très bien. Propre. Alors, eux, on peut rien faire. Je sais pas s'il les a comptées dans le musée, les espèces qu'on avait montrées à Tom Nook. Je pense qu'elles comptent. Hein. Non ! Je voulais attraper les guêpes ! Ah, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à les attraper. Tristesse. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Quand tu dis ça, il en chope une. Les guêpes, ouais. Bah, ça arrive, hein. Ça arrive, c'est pas grave. Hein. Par contre, il y avait des libellules bleues, là, que j'avais pas. Où elles sont? Elles sont là. Hop. Ça, j'ai pas. Super, tu as attrapé une demoiselle. Super. Bah, let's go. Ça, c'est bien. Je l'avais pas. C'est bon. Lui, j'ai déjà fait. Tout cela, j'ai déjà fait. On est sûr de ça? Ah non. C'était dès de la dernière fois, ça. C'est dès de la dernière fois, ouais. Allez, on se dépêche en termes de bois. Pour être au calme. Ces pépites de fer qu'on a à 22? Oui, c'est ça, c'est pépites de fer qu'on a x22. Donc c'est pas mal hein, quand même. Hein. On s'en sort pas mal. Hein. On s'en sort pas mal du tout. On va être plutôt good, hein, moi, je pense, en termes de ressources. L'idée, c'est de bien penser à toujours taper les arbres, quoi.
Merci Maxime pour les 100 bits. Je te suis depuis Or Hard Gold sur YouTube. Bah, ça fait grave plaisir. Merci à toi Maxime et merci d'être toujours là. Ça fait super super longtemps en tout cas. Alors on va lui amener le bois et les pépites. Enfin pas les pépites parce que les pépites on n'a pas tout. Mais il faut principalement lui amener le bois, comme ça ça se sera fait. Et ce sera bon. On a 30, 30, 30. On est bon. On va aller voir un petit coup l'ami. L'ami Mélie ou l'ami Mélo, comme vous voulez. Couper du bois, la chose que je fais jamais dans Animal Crossing. En fait, en début d'aventure, c'est vraiment important. C'est vraiment super important. Bienvenue Aaron, que puis-je faire pour toi à propos du magasin? Pour réunir les matériaux nécessaires à sa construction, nous faisons appel à la générosité des résidents. J'ai des matériaux. Tu as du bois, veux-tu donner 30 morceaux de chaque? Ouais. Allez, c'est parti. Bois tendre, bois dur et bois machin. En guise de remerciement, voici un t-shirt gold, un mur de rose et une boule à neige. Ok, merci beaucoup. Pour ce qui est du dernier matériau manquant, merci mille fois d'avance pour ta coopération. Ah oui, donc en vrai, tu veux que je te le donne directement. On va aller voir les Nook Miles. On va aller voir les Nook Miles. On va aller voir les Nook Miles. Je retourne à l'intérieur, s'il vous plaît. Hop. On va aller voir les Nook Miles qu'on peut acheter. Ça a changé, avant c'était un panier pour chien. Ça dépend peut-être de la partie, ça dépend peut-être de différentes choses. Notre système d'échange de miles... Que souhaites-tu acheter? Échanger des miles Nook. Donc... Qu'est-ce que je peux acheter, moi? C'est pas là, ouais. Attends, si, c'est ça. Attends, le top des coiffures, les plus belles colorations... Savoir s'organiser. C'est celui-là que... Celui-là, on le veut, et celui-là, on le veut. On veut ces deux-là. On veut savoir s'organiser... guide du panel d'outils, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est fabriquer de bons outils et savoir s'organiser. C'est super important. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par... on va commencer par fabriquer de bons outils. Et ensuite, on pourra... Ouais, mais fabriquer de bons outils, il nous faut des pépites de fer. On va pas utiliser les pépites de fer. Donc, le mieux, c'est... Je sais. C'est bon. C'est bon, je sais ce qu'on va faire. I know. Hop, 150 par 2, on est à 4730. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse là? Ramasser des champignons, couper un arbre, pêcher des poissons, attraper un grillon des prés. D'accord. Champignons et grillon des prés. Grillon des prés, il y en a pas mal, je crois. Très bien. Organiser en premier, ouais, de ouf. Bon, où est-ce qu'il est le grillon des prés, là? Alors, attends, champignons. Voilà, on est bon. Et grillon des prés. Tiens, il y en a un là. Hop. Voilà. Grillon des prés. C'est good. Ok. Et donc, du coup, ça va nous faire 5000. Ce sera suffisant. Ce sera suffisant pour pouvoir... Eh bien, acheter la ligne d'inventaire supplémentaire. Et c'est ce qui nous intéresse, hein, clairement. Nous, c'est la ligne d'inventaire qu'on veut en plus. Allez, let's go. La petite ligne d'inventaire, là. Échanger des miles Nook. Et savoir s'organiser. Veux-tu échanger 5000 miles? Oui. Vas-y, donne-nous tout ça, c'est imprimé, ta commande a été imprimée, on est bien, ah d'accord, tu as tout compris, tu as appris quelques astuces, tu peux y ranger, ok, top, ce qu'on va faire, c'est que, on va peut-être préparer les ressources qu'on veut vendre, ou non, on n'est pas obligé de vendre tout de suite. On peut...
On va peut-être aller chercher des coraux. On va peut-être aller chercher des coraux. On va aller chercher des coraux. Je pense que c'est une bonne idée d'aller chercher des coraux. C'est... Enfin, des coraux... Enfin, je me comprends, quoi, quand je dis des coraux. Hop. Let's go. Les petites bubules. On va aller chercher des bubules. Allez. Allez, les bubules par ici. Comme ça, c'est au moins des trucs qu'on n'a pas. Donc on pourra les donner à... Les donner à... À notre ami Thibou, qui devrait pouvoir les récupérer, je pense. J'espère. J'espère qu'il les récupère déjà. Bon, de toute façon, si elles sont là, il les récupère, forcément. Je veux dire. Quand même. C'est le mieux pour avoir des clochettes et pour Thibou. Ouais, de ouf. Un balane. Une balane, pardon. Allez, est-ce qu'on a d'autres petits... D'autres petites bulles? Oui, il y en a là. Hop. Ouh, il est un peu loin, lui. C'est good, on a quand même réussi à l'avoir. Et une limace de mer. Ok, pour le moment, on n'a rien de... on n'a rien en double pour le moment. Donc c'est plutôt la bonne nouvelle. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. C'est bon, j'ai réussi à l'attraper. Une perle. Ouh, ça c'est cool. Est-ce la légendaire perle à Pimpin? J'espère. J'espère que c'est elle. Allez, là c'est bon. Il n'y a pas beaucoup de cadeaux hein, là. J'ai connu une époque où il y avait plus de cadeaux hein, sur Animal Crossing dans les airs là. Et merci Kagami Tatsuya pour ton deuxième mois, ça fait super plaisir. Tu as remonté une balane. Merci beaucoup. Bienvenue à toi. Enfin, pas bienvenue à toi puisque c'est le deuxième mois. Bah, belle continuation d'abonnement. Et merci encore une fois pour ta confiance, ça fait plaisir. Voilà, attention, il va vite lui. Ah non, il va pas vite du tout. C'est juste moi qui suis débile. Tu as remonté un bulot. C'est parti, le bulot. Qui fait plaisir. Tiens, on en a un par ici. C'est pas le cas. Pourquoi c'est pas le cas? Le bulot, c'est pas le cas. Encore un bulot. Ok. Ok, là il y a pas mal de bulles. Il y a pas mal de bulles, ça doit être un truc plutôt cool. Oh, il va vite en plus. Il va vite, c'est un truc qu'on n'a pas. C'est un truc qu'on n'a pas. Enfin, il va vite. Il se déplace quoi déjà. Et c'est un calmar, c'est ça? Un poulpe. Même chose. Même chose. La perle, NT. Ah, la perle, c'est la perle de Palkia. Ah, je comprends, j'ai compris. Ça y est, j'ai saisi. J'ai la joke. J'ai la joke. Hello toi. Il se déplace un petit peu. Ah, c'est une huître. C'est une huître. Ouais, ça se déplace très peu rapidement quand même les huîtres. Hein. Ok, des petites bulles par là. Ça se déplace un petit peu. Qu'est-ce que c'est que cette fois-ci? C'est... Ah, on n'avait pas ça. C'est un turbo. Il vit à 100 à l'heure. Alors, combien on a de place encore? On n'a plus de place. Si, on a une place. On a une place, donc va falloir essayer de récupérer un petit truc. Et puis ensuite, on va aller... on va retourner sur la côte. Voilà. Ce sera ce truc-là qu'on va récupérer. Tiens. Hey, mec. Merci. Et c'est encore une fois un poulpe. Merci beaucoup. C'est parfait. Allez, on y va. On rentre sur la plage. Encore heureux que la pêche est gratos, lol. Ah bah j'avoue. Hein. Ouh là là, c'en est un beau, ça. Ça, c'est un beau truc. C'est un truc important, ça. Excusez-moi, mais c'est important, ça.
Et voilà, une fraise. Tu as remonté une anémone de mer. Mais tes poches sont pleines. Et si tu échangeais ça contre autre chose? Échanger... On va échanger contre un truc nul. Bah, contre un balane. On en a deux, des balanes. On a deux balanes. Ça ne nous intéresse pas. Allez, il faut qu'on aille voir Thibaut. Qu'on lui donne tout ça. Et on sera good. Une balane en mer. Oui, si tu veux. Ça marche. C'est quoi ça? C'est... Oh, on n'a pas non plus ça. C'est un concombre de mer. Eh ben c'est parti, on va l'échanger contre une huître. On va l'échanger contre une petite huître. Hop. Et après, si on trouve autre chose avant de revenir sur la plage, on l'échangera contre l'escargot, je pense. Bon, on n'a rien trouvé, donc c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'ils nous donnent? Qu'est-ce qu'ils nous disent là-dedans? Le fin fond des fonds. Ok. C'est pas bien de prendre les Nook Miles à ce moment-là. Faut que je les prenne quand je suis en intérieur. Sinon, j'aurai pas d'intérêt. Ok, c'est bon. Hop. Allez, plus que 34 minutes 28 à l'extérieur. Il nous reste encore pas mal de choses à faire. Là, il faut qu'on aille voir Thibaut et qu'on lui fasse « Hey, mec, j'ai des trucs pour toi. Si tu souhaites de l'aide, faire un don. » Ah, oh, je peux pas donner les trucs de mer. Oh, merde. On peut pas lui donner. Ah, on peut pas lui donner. On peut pas lui donner parce qu'il a pas encore le musée. Aïe. 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 Ça... On a perdu du temps là-dessus pour rien. Encore Didon et le musée. Bah en fait, ce qu'on va faire, c'est que tous ces trucs-là, on va les vendre, en fait, tout simplement. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on les vende. On va tout simplement les vendre parce que ce sera le plus intéressant pour moi. Parce que le musée, en fait, une fois qu'il l'aura créé, on n'aura plus besoin forcément d'avoir d'amélioration du musée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va y vendre. Hein. Tout simplement. Tout simplement. Je pense que c'est le mieux. Hein. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Hein. Mais je pense que le mieux, ça va être d'y vendre tout ça. Alors, je vais juste entreposer ça. Ça. Le bois. Le bois tendre. Ça. Les champignons, je sais pas, c'est... Ah oui, ça doit être dans des... Ça doit servir dans des... dans certains trucs. Très bien. Entreposer. Ok. Tout ça, on va vendre. Ou alors, je les garde, peut-être, les champignons. Allez, on va garder les champignons. On va garder les champignons pour la science. Vend la perle, elle coûte 1000. Ouais, pas de souci. Hop, cerise, on en a 6 ici. On va aller regarder ce qu'on a dans le truc. Donc ça, je récupère. Placer dans les poches. Ok. Le reste, je garde pour le moment. Il faut des poissons et insectes. Ouais, je sais, Sosocat. Je sais. T'inquiète pas. On est au courant. Voilà. Hop. Je vais juste aller faire en fait ma session de vente. Je pense dès maintenant. Comme ça, ce sera fait. Ce sera très bien. Et on pourra s'en sortir tranquillement. Hop. Je pense que c'est pas mal d'aller direct faire la session de vente. J'ai pas rappuyé, je suis désolé. Je vais revenir devant la maison, on va attendre. Désolé.
me suis trompé. Des fois, je me trompe. J'oublie. Hop. Allez. Voilà. On considère que c'est bon. Hop. On va prendre ça, prendre ça, prendre ça. Hop. Hop. Là, on est bien. Encore. Est-ce que j'ai des... j'ai pas vu, mais j'avais du courrier ou pas? Je sais plus si j'avais du courrier. J'ai pas vu si j'avais du courrier en sortant de ma maison. Faut que je regarde. J'avais pas vu ça. Si, j'avais du courrier. Allons-y. Alors, AJD, c'est parti. On ouvre. Et maman... Alors, qu'est-ce qu'elle nous a offert, maman? Est-ce que c'est un... C'est des poires. Yes. La best. La best. T'es la best, maman. Tu es juste la best. Merci beaucoup. Alors... Là, c'est cool. On va pouvoir se mettre des poires par ici. Un poirier. Deux poiriers. Trois poiriers. Merci beaucoup, maman. En planter une. Hop. Planter une. Et planter. Bam. La table basse en bois, je vais apprendre. Je sais pas comment je connais. Ah oui, ils m'ont envoyé le plan de table basse en bois. Très bien. Ok, ça c'est fait. On est pas mal. Je vais juste aller chercher les autres trucs que j'ai envie d'aller chercher. Hop. Maman la best. Mais de ouf, hein. De ouf, en fait. Tiens, ça je prends. Ça mange pas de pain. Oulala, 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 oulala. C'est bon, j'ai réussi à le prendre. C'est des bananes. Pas de soucis. Allez. Pourquoi ton perso a un œil fermé? Il s'est fait piquer. Il s'est fait piquer. Tout simplement. Ça, je prends. Ça, je prends. Hop. Non, je verrai plus tard pour ça. Ah, ça, c'est pour lui. Ok, attends, ça, je vais récupérer quand même. Ça, c'est important. Boum, pour Thibaut. Parfait, on a déterré le fossile. Il y a un gland par là, c'est pas intéressant. Par contre, ça, je prends. Ok, je pense qu'on est pas mal. J'ai envie de dire qu'on est pas trop mal. Ah, merde, c'est pas ce que je voulais prendre. Hein, plus de place. Et si on déposait autre chose, échanger contre ça. Ça, ça m'intéresse pas. Hop. 1, 2, 3. Hop. On prend aussi ces cerises là. 1, 2, 3. Il y a un ballon là-bas. Il y a un ballon là-bas, mais je peux pas le choper. Il est trop loin. Je pense pas que je puisse. Hein. Ah là là, je peux pas le choper. Peut-être là. Non. Non, non, non. Putain, vu comment mon île est foutue, en fait, je pourrais jamais réussir à le choper. Hein. Peut-être si je vais tout là-bas... Alors, attends. Ah, peut-être là. Ah, ça, c'est censé toucher. Ok. Bon, il va falloir aller vite parce que je pense que ce qu'il faut qu'on fasse... Oh là, ça va être long.
Aïe aïe aïe, vais-je réussir? Je ne sais pas. Il faut que j'aille choper le ballon de l'autre côté de l'île. Donc pour aller le choper. Il faut que j'aille sur la plage, là-bas. Mais il faut que j'y aille vite. Parce que là, il est encore en train de voler. Vite, 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 vite. Alors que j'aille de l'autre côté ici. Allez, 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 on va le faire. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Tu peux y arriver. Non, non, mais là, il nous le faut, ce ballon, les gars. On le veut. Ah! Ok. Où est-ce qu'il est? Où il est? Il arrive, il arrive, il arrive, il est juste là. Il est là, il est là, il est là. Faut pas qu'on fasse de conneries. Faut juste pas qu'on fasse de conneries, faut qu'on le chope au bon endroit. Faut qu'on le chope au bon endroit, parce que sinon on pourra pas le récupérer. Là il tombe. Ah, là il tombe si je le chope là. Non. Ouais, là ça va être bon. Ouais, là, c'est bon, il descend, il descend, il descend. Allez. Yes! On l'a chopé! Alors attends. Placer. On récupère le cadeau. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des pépites de fer, des pépites de fer? Oh, un gilet multipoche. Vas-y, ça m'emmerde. Tiens, voilà, on le met là. C'est très bien. Ça, je récupère. Ah, un, plus de place. Et si tu échangeais ça contre autre chose? Merde. Balane, ça vaut rien. Les balanes, ça vaut rien, vas-y. Hop, c'est bon. Ok. Allez, let's go. Maintenant, on va aller vendre tout ça et on va voir si on peut acheter des nouveaux trucs qui seraient cool. Typiquement, peut-être d'autres types de fleurs pour commencer à faire des trucs sympas. On va voir. On va voir si on peut. Ce serait top. Ça serait pas mal. Allez. Mister, c'est parti. On va... te vendre des choses. Bienvenue Aaron, que puis-je faire pour toi? Alors, achète-moi des trucs. Donc c'est notre seul passage à la boutique hein, de la journée. Ensuite on n'aura pas le droit de repasser à la boutique ensuite. L'idée c'est de vendre un maximum de choses pour se faire le plus d'argent possible. Pour pouvoir potentiellement peut-être rembourser le prêt de manière le plus rapide possible. Bon là on n'aura pas assez pour rembourser le prêt avec tout ça. Mais demain peut-être. Voilà. C'est parti, confirmé. Laisse-moi juste le temps d'additionner tout ça. 34 560 clochettes. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça nous fait 55 310. Très bien. Et donc maintenant, on va achète-moi des trucs. On regarde ce qu'il a à vendre, puisque c'est notre seul passage à la boutique. On y va. Chaise de plage, caisse à outils, on va prendre, hein. On va acheter, parce que le but, c'est quand même qu'on puisse faire des trucs un peu sympas. On va prendre la caisse à outils. J'achète. Ensuite, par là, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est inutile. Des cosmos rouges, des pensées blanches et des roses jaunes. Allons-y. Rose jaune, ça peut être pas mal. Pensées blanches, je sais plus si on en avait. Et rose jaune, on en achète. As-tu repéré autre chose? Je pense pas. Je pense pas qu'on ait d'autres trucs intéressants. Béaba du bricolage, arroseur rudimentaire, lance-pierre, hache rudimentaire. On sait déjà faire tout ça. Bah, ça me semble pas mal.
C'est good. On a fait notre session d'achat. On va pouvoir retourner dehors et continuer un petit peu nos trucs. Ok. Alors. Donc ça, c'est quoi? Ça, je sais plus ce que c'est. Je sais que tout là-bas, c'est des roses. Donc ça, c'est des roses rouges. Et nous, ce qu'on veut, c'est rajouter des roses jaunes. Donc je peux en planter une, en planter une, en planter une, en planter une, en planter une. Voilà, ça me paraît pas mal comme ça. Ça, c'est des... Ça a l'air d'être des cosmos, ça. Pour moi, c'est des cosmos. En planter un, en planter un. C'est pas des cosmos du tout. Si, c'est des cosmos, ça. Ça, c'est des cosmos. Et ça, ce sera mes pensées. Donc les pensées... Ah bah, c'est encore des blanches. Bon, c'est pas grave, on aura plein de blanches. On aura peut-être des bleus. Ok, très bien. Ça, il faudra arroser. Au pire, on peut arroser dès maintenant. Hop. Allons-y. On y va. De toute façon, il va péter mon arrosoir à un moment. Ça va être chiant. Voilà, j'avais dit. Yes. Ça fait grave plaisir. Pensée blanche plus pensée blanche égale pensée bleue. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est bien dit. Hop. Je sais plus comment on fait un arrosoir. Peut-être avec du bois tendre. Je vais récupérer tous nos bois là. Arrosoir. Alors l'arrosoir, 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 l'arrosoir. Il est là. C'est avec du bois tendre. C'est bien ça. C'est bien avec du bois tendre, donc tout va bien. Arrêtez pour l'instant. Bam, on ressort. Et on remet le chrono. Alors, qu'est-ce que j'ai arrosé, qu'est-ce que j'ai pas arrosé? C'est ça qui m'intéresse. Là, c'est arrosé, là, c'est arrosé. Là, c'est pas arrosé. Là, c'est pas arrosé. On continue par là. Là-haut. Là-haut. Bas. Là. Très bien. Ensuite, là. 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 Merde, j'ai fait à côté. Ah, des fois tu fais à côté, t'es dans la merde. Ah, c'est relou. Vas-y, ok, ça c'est bien. Je pense qu'ils vont me détester. Non, j'ai fait encore à côté. Ils vont encore, ils vont me détester, mes habitants, parce que... Je leur parle pas du tout en fait. Je leur parle pas du tout. J'en ai fait un que j'ai déjà fait. Je leur parle pas en fait à mes habitants. Ils vont m'en vouloir de ouf. Yes. Bon, c'est pas grave. Je vais pas refaire un arrosoir. Les gars, on est déjà pas mal. Bon. Oh, il y a des trucs là-haut. Merde, comment on prie? Comment on prie? C'est avec A. C'est avec A qu'on prie? Je sais plus. Je ne sais pas. Si, c'est ça, c'est ça, ça. Oh! Oh! Ah putain, c'est avec ça, c'est comme ça. Vas-y, ça passe. Regarde le ciel et fais... Ah ouais, ouais, je sais, mais... J'ai fait de la merde. Très bien. On va pêcher des poissons. Parce qu'il faut qu'on puisse donner des trucs à Thibou. Pour au moins avoir l'amélioration du musée. Et si pendant ce temps, on arrive peut-être à avoir un... À avoir un cadeau qui nous donnerait par hasard des pépites, ce serait incroyable. Ça, une bouvière, on l'a pas filé à Thibou, donc ça c'est parfait. Toi là, hop, oh, voilà, les poissons chiants là. Vas-y, retourne-toi. Non, il se retourne pas. Oh, le relou.
va être chiant celui-là à choper. Il va être chiant à choper. Il y a encore une mouche, hein. Putain, ça m'énerve les mouches. Bon, lui, on peut pas le choper tout de suite. On va aller voir les autres. J'ai pas parlé à... à Nook. C'est vrai que j'ai pas parlé à Nook. Peut-être que j'aurais dû... J'aurais dû peut-être un peu plus lui parler. Peut-être qu'il avait des trucs sympas à me dire. On va aller voir. Parce que des fois, Nook, il nous donne des trucs. On va aller voir. Je sais plus si jour... jour 3, il te dit vraiment des trucs. Enfin, jour 2 ou 3, je sais plus s'il te dit des trucs intéressants. Ça, je crois qu'il en a déjà un. Enfin, une de Limande. Si je dis pas de bêtises, je lui en avais déjà filé une. Hop. Ok, ça c'est parfait. Hello toi. Très bien, le poisson scorpion, ça on l'avait pas. On a déjà donné le Bernard l'ermite. Pas de nouveau poisson par ici. Toujours le poisson qui saoule là par là. Ah, peut-être que ça peut se tenter, attends. Non, pas du tout. Il est relou. Vas-y, retourne-toi. Retourne-toi pour voir. Non, il se retourne pas. À aucun moment. Le relou. Putain, il m'énerve. Il y a une mouche, quoi. Ou il y en a deux, je ne sais pas. Oh ! Tu te calmes, alors. Tu me passes pas devant la tête. Hein. Tu restes derrière si tu veux, mais tu me passes pas devant la tête. Hello Thibaut. Même pas il t'applaudit Mélo. C'est vrai qu'il pourrait. Hein. Fais gaffe à ton chrono. T'inquiète pas. 20 minutes. 20 minutes on va être... on est encore ok. On est encore ok. Alors. Allez, faut que je lui donne pas mal de trucs. Limande. Ah, il avait pas de limande. Ok. Parfait. Je t'en prie. Vas-y, raconte-moi ton truc. Arrête de parler en fait. C'est juste en fait insupportable de pas pouvoir tout lui donner en fait d'un seul coup. C'est juste insupportable. Non, me dis rien dessus. Une prochaine fois peut-être. Let's go. Papillon de nuit. Non, je veux rien savoir dessus. Et ensuite, j'ai quelque chose. La bouvière. Combien il en manque du coup de dons? Raconte-nous. Combien il nous en manque? 6 dons. Ok, ça devrait le faire. On va réussir à trouver. On va réussir à trouver des trucs à lui filer. Expertiser un fossile déjà. Vas-y. Tiens. C'est parti. Alors. Un crâne d'ophtalmosaure. Ok. Qu'en dis-tu? Je te le donne. Ok, il nous reste 5. 5 spécimens à lui trouver en 20 minutes, ça me paraît clairement faisable. Ça me paraît clairement faisable. Putain, elle s'est barrée la mouche. Elle est hyper active. Elle m'énerve. 5 dons. Hop. On est de retour dehors, le chrono se relance. Alors. Tiens, toi. T'es un gros poisson, toi. Me dis pas que t'as pas vu le bouchon, là. Fais pas genre. Je préfère, merci. Parfait. Un bar. Ok.
Je crois que celui-là, on l'avait dé... on l'avait pas donné. Donc c'est parti, on peut le garder. Ok, ça, ça doit être encore un bar, hein, j'imagine. On va voir. Vas-y, avance-toi. Merci. Encore un autre bar. Relou. Ah, attention, attention. Allez, on prie. Une autre étoile. Pas d'autre étoile. Pas d'autre étoile. Pas d'autre étoile. Il va falloir qu'on se refasse une canne à pêche. Est-ce que j'ai assez pour me faire une canne à pêche? Ah, attendez. Ok, ça c'est prié. Y a pas un ballon quelque part là? Putain, y a pas de ballon. Y a des ballons nulle part. C'est un peu relou. Hein. C'est un peu relou. Allez, on va à l'intérieur. Ça sert à quoi de prier? Bah, tu fais un vœu en fait devant les étoiles et le lendemain t'as des morceaux d'étoiles sur le sur la plage. Hop. J'ai qu'un seul morceau de bois. Ah bah j'aurais pas assez pour faire une canne à pêche. Veux-tu bricoler autre chose au travail? C'est comment une canne à pêche? C'est 5 branches d'arbres. Ah ouais, relou. Relou, relou. Ok. La musique de début de jeu me manque. Dès que t'as la mairie, ça change et elles deviennent bof. Ah ouais, tu trouves? Ok. Pardon, j'ai pas remis le compteur. On est bon. Il y avait juste une seconde où j'ai pas mis. On est bon. Hop. Alors, on va pouvoir... Toc. On va se faire la canne à pêche. Tout de suite. Ok, c'est parfait. Arrêtez pour l'instant. Boum. Lui, on l'a déjà donné, le grillon machin. Putain, y a pas grand chose hein, en termes d'insectes hein, là. Hein. C'est relou. Hein. C'est relou parce que j'ai pas grand chose à lui donner à Thibaut. Du coup, on fait avec, mais quand même. Allez, vas-y, viens là. Chinchard! Il est brillant le chinchard, ils ont changé le modèle du chinchard, non? Je sais pas. Lui, on l'a déjà. Encore un bar, j'imagine, celui-là. On va voir. Tu vois pas le bouchon, là? C'est bon, il voit le bouchon. Hop! Encore un bar. Non, je peux pas te parler. J'ai pas de masque. Je peux pas te parler. Désolé. Non, non, non. Je ne te parle pas tant que j'ai pas de masque. Allez. Tu devrais prendre un ticket Milestone pour faire son attestation. Non. Non, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Bam! Allez, 1, 2, 3. Putain, c'est fou, on a toujours les mêmes poissons, y a rien de différent. Vas-y. Dans la rivière, c'est toujours chiant, y a rien. Y a air dans la rivière. Ça va être quoi? Ça va être un vivano? Allez.
Bah encore l'immonde, mais l'immonde on en a déjà donné. C'est le problème. Alors qu'est-ce que c'est que ça maintenant? Ok, c'est pas bon. Vas-y, viens là. Pourquoi elle s'est éteinte, ma lumière? Elle s'est rallumée. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, les mouches, là? Il y a les mouches qui sont en train d'éteindre ma lumière. Je vous jure, hein. C'est pas une blague, hein. Tu peux prendre un masque au Nook Shopping? Il y en a pas? Il y en a pas au Nook Shopping. Plonge. Pour attraper les poissons? Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. C'est vrai que ça marche super bien. En général, c'est pas mal. Ils s'en vont pas du tout quand tu plonges. Les poissons. Allez. Tiens, ça, c'est un gros poisson. Allez, viens là. Ça, c'est un gros. C'est même un énorme. Ok. Un quart d'eau. Pourquoi pas? Mais bon, ça nous plaît toujours pas, hein. C'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. Après, ce qu'on peut tenter de faire, c'est de choper une guêpe. Éventuellement. Parce que faut qu'on la donne à. On va essayer de choper une guêpe. Guêpe, je crois qu'on en a pas encore donné. Donc autant tenter de choper une guêpe. Ça fera un truc supplémentaire. Allez, allez, allez. Merde. Un gland. C'est quoi là, y a rien? Non, des papillons de nuit. On a déjà de l'argent. Je prends. Allez les guêpes. Où êtes-vous? Voilà, c'est quand tu veux qu'il y ait des guêpes qu'il n'y en a pas. Il nous reste que 13 minutes, hein, là. C'est pas énorme, hein. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Hop, c'est chopé. C'est parfait. Attention aux piqûres de guêpes. Et très bien. On a cassé ce truc-là. C'est très bien. Alors, allons-y. On va voir Thibaut. On va voir ce qu'on peut lui donner en plus. Si tu veux, il y a les taupes grillons. C'est vrai, dans le sol, ouais. Faut les trouver, par contre. Alors, si tu souhaites de l'aide, faire une donation. Alors, ok, je peux donner un bar, une guêpe. Ok, il y a pas mal de choses que je peux donner, c'est top. Hop. Donc après, il nous restera deux trucs à donner, c'est ça? Ça devrait le faire. Allez, en 12 minutes, on peut trouver deux autres trucs, non? 12 minutes, on doit pouvoir trouver deux autres trucs, hein. Allez, le chinchard. Hop. J'ai quelque chose. Alors tiens, un bar. Nice. Ok. Et maintenant, je te donne un quart d'eau. C'est parti. Non, me dis pas ce qu'il y a à propos du cardo, ça ne m'intéresse pas, ça m'intéresse peu. Et encore un don. Ok. Encore un don? Il y a plus qu'un don à faire et c'est bon? Ah, ça va le faire. Plus qu'un don. C'est tranquille, c'est tranquille, c'est tranquille, on va s'en sortir. Donc faut que je trouve un taupe grillon en fait. On va tenter de trouver un taupe grillon. Faut écouter. Bien sûr, c'est quand on cherche qu'il n'y en a pas. Yes, ça fait super plaisir. On va tenter de voir ce qu'il y a dans la mer là. Qu'est-ce que c'est que ce poisson là? Encore. Non, c'est pas encore une bouvière. Non, c'est autre chose. Non, je l'ai pas eu. Dommage. Relou. C'est pas grave.
On va voir dans la mer ici. Ça, c'est tout petit, ça doit être un hippocampe. Je sais pas si on lui a déjà donné un hippocampe. Je sais qu'on en a donné à Nook, mais j'ai l'impression que ce qu'on a donné à Nook, en fait, ça considère pas qu'on les a donnés à Tibou. Ok, hippocampe. Tu as pris un hippocampe. On va retourner voir Tibou et on va voir si c'est bon. Si ça compte, bah hier j'ai donné des chinchards pourtant. Hier j'ai donné des chinchards. Et pourquoi là il a accepté un de mes chinchards? On va voir. On va être vite fixé. Parce que je suis sûr d'avoir donné un hippocampe hier. Ah non, j'en ai pas. D'accord. Ok, ok. Relou. Relou, 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 relou. Allez, plus que 11 minutes. Là, ça va commencer à être un petit peu tendax. Je vous avoue. Pas un moustique ou un truc dans le genre? Même un moustique, je veux bien, tu vois. Ok. Toi, t'es quoi? Tu es quoi? On l'a déjà le poisson scorpion. Aïe aïe aïe. Si ça compte, j'en suis sûr, ouais. Relou. Relou. On veut pas de gland. Ok. Non, ça je voulais pas récupérer. Bam. 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 Établi de bricolage, placé. Veux-tu bricoler quelque chose? Laisse-moi prendre une canne à pêche. C'est parti, on y va. On se fait une canne à pêche. Arrêtez pour l'instant. De toute façon, j'ai pas assez pour me faire un filet, donc il faut forcément que ce soit un truc genre une canne à pêche. Allez, let's go. Tiens, toi, t'es quoi? Qui êtes-vous, monsieur? Allez, viens là. Rah, on l'a déjà la limande. Avec quelqu'un qui dit l'étang. C'est vrai qu'on a un tout petit étang là-bas. On peut peut-être aller tenter de trouver un poisson dans l'étang. Et dans l'étang également. Les deux. Bon, je vérifie quand même ce que c'est ça. Encore un poisson scorpion. Mais c'est pas possible. Pas lourde, ça marche pas. Non, ça marche pas, pas lourde. C'est pas considéré comme un... comme un... comme un truc qui est au musée, malheureusement. Ok. Regardons dans l'étang qui est genre là. Bah ouais, mais y a pas de poisson, quoi. L'idée était pas mauvaise, mais y a pas de poisson. Quand y a pas pointe, ponton. Y a pas de poisson ponton, mais vous vous rendez compte, y a personne. Toi, là-bas. Viens là. Allez. Oui, poisson lanterne, c'est bon, on l'a pas celui-là. Ok, on a notre dernière espèce. On va pouvoir aller voir Tibou. C'est bon. Putain, vivement qu'on ait la canne là pour pouvoir passer d'un côté à un autre. Parce que je vous avoue que j'en ai marre de nager à chaque fois. Heureusement qu'on peut nager. Hein. Si on avait dû faire l'aventure sans nager là, déjà on aurait eu un peu de mal. Mais y a pas un ballon là qui traîne quelque part? C'est fou, il n'y a aucun ballon, quoi. On a croisé un ballon depuis le début. C'est hallucinant. C'est juste hallucinant. Mais t'as le plan? Bah non, il me semble pas. J'ai le plan pour la canne?
Bah non, regardez, j'ai pas le plan pour la canne. Ah si, elle est là. D'accord, pour la perche, elle est là. Oh, je savais pas. Je savais pas que j'avais le plan pour la perche. Eh bah très bien, bah faudra que je me la. Faudra que je me la. Ok, je vais me la faire, je vais me la craft. Vous avez raison. Il te l'a donné en même temps que la pelle. Ah, ok, d'accord. Je savais pas du tout. Allez, c'est parti, faire une donation. On y va. Le poisson lanterne. Un poisson lanterne. Non, me dis pas les choses à propos de lui. L'heure est enfin sonnée de demander la construction. D'ailleurs, il me faut me hâter pour préparer les grandes inaugurations. Allez au travail. Aaron, laisse-moi te dire merci pour tout. Très bien. Incroyable. Et eh ben c'est top. Donc là, on est bon. Ok. On va aller par ici. Et on va voir. On va aller parler à Tom Nook pour voir s'il a des trucs à nous dire. Bonjour, bonjour. En quoi puis-je être utile? Je dois faire quoi? Oui, une excellente question. Je dois te remercier d'avoir offert ton aide pour ramasser les matériaux. Ah, mais tu voulais plutôt des conseils pratiques. Eh bien, je crois que tu cherches. Et nous vendons justement une hache rudimentaire. Bon, elle n'est pas donnée. Il faut bien la mettre. Peut-être serait-il plus avisé de t'en fabriquer une. Commence par récupérer quelques branches d'arbres en secouant avec vigueur. Puis dégaine une pelle. Attaque-toi au rocher. Au fait, il se trouve que j'ai ramassé une pierre lors de ma promenade quotidienne. Tiens, ça peut te servir. T'as pas ramassé genre des pépites? Par exemple, en fabriquant une hache rudimentaire. Le relou. Est-ce que tu peux me donner d'autres trucs? C'est tout? Le relou! Le relou! Ah ouais, il a vraiment rien. Je vais regarder ce qu'il y a sur le Nook Shopping, s'il n'y a pas des masques. Puisqu'il y a des gens qui m'ont dit, ouais, il n'y a pas des masques dans le Nook Shopping. Et on va voir dans monture. Non, il n'y a pas de masque dans le Nook Shopping. Et dans l'échange de Miles Nook, peut-être il y a des masques en vrai. Ici. Masque! Est-ce qu'on dit que ça passe? Est-ce qu'on dit que c'est en attendant d'avoir un vrai masque ou alors on veut avoir des vrais masques? C'est pas les bons? Bon, d'accord. Ok, bon, ça passe pas. Ça passe. Non, ça passe pas? Bon, allez, ça passe pas. Très bien, ça passe pas. Si ça passe pas, ça passe pas, y a pas de soucis. Y a des médecins, ils en utilisent en tant que patients. Très bien. Masque et tuba, moi je trouve que ça passait, mais bon. Très bien. Tiens, tableau d'affichage, c'est quoi qui nous dit? Les résidents, panneau d'affichage. Très bien. Ok. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je vais récupérer le bois là qu'on a au sol. Je vais récupérer un petit peu tout ça, de manière à clean up un petit peu. En attendant, on va se dire que peut-être va y avoir un cadeau qui va passer par là. J'aimerais bien que dans les 7 prochaines minutes, il y ait un cadeau. Mais bon, on va voir. Hop, je prends la branche d'arbre aussi, le gland. On prend tout, hein, on prend tout. T'as un tuyau, il n'y a pas de filtre. Donc le virus passe. Ok. Bien vu, bien vu, bien vu. Vous avez raison. En vrai, ça passait crème. Non, non, mais on va dire que c'est pas bon. Je peux comprendre le délire. Parfait. Très bien. On prend tout ça. On récupère. Il y a vraiment pas de. Ouais, je vois pas de. Pas de ballon. C'est pas grave.
On fera avec. Pour les fragments d'étoiles, tu dois pas les chercher demain. J'irai peut-être les chercher demain, moi, juste en ouvrant mon jeu. J'ouvrirai mon jeu juste pour récupérer les fragments d'étoiles. Et c'est tout. On n'aura pas besoin forcément de le filmer, quoi, tu vois. J'irai les récupérer, c'est pas très grave. Je peux faire quelques petits trucs hors caméra, on va dire. Comme je faisais déjà pendant le premier let's play sur Animal Crossing. C'est pas un souci. Hop. Good. Essaye dehors, tu verras si on te valide ou si t'as une amende. Le masque et le tuba. Ah, c'est pas bête. C'est pas bête. Bonne technique. Ok, parfait. Où est-ce que... J'ai pas... On est d'accord, j'ai pas secoué tous les arbres, donc du coup j'ai pas trouvé les potentiels meubles. On est d'accord, hein. Mais j'ai pas non plus trouvé toutes les guêpes, donc faut faire attention. Mais c'est vrai que j'ai pas secoué tous les arbres. Et il y en a encore pas mal à secouer, malheureusement. On n'aura pas le temps de le faire en 4 minutes, hein. Ça, c'est évident. Ok. Je vais me faire une perche. Je vais rapidement me faire une perche. Et on va voir. Mais là, c'est 3 dernières minutes. Donc, c'est vraiment short. Pourquoi je peux pas? Eh, je veux établir, moi. Merci. Alors, hop. La perche. Il y en a pas deux. Prends un filet au cas où. Est-ce que je peux bricoler un filet ou pas? Ouais, je peux bricoler un filet. Bon, allez, je le fais. Allez, vous avez raison. Vous avez raison. Au cas où, ça peut servir. Ouf, plus que 3 minutes. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Vous inquiétez pas. Hop, équipé. On y va, la perche. Hop. On va de l'autre côté. On prend le filet. C'est parti. On secoue. Allez, un petit meuble, un petit... une guêpe, je ne sais quoi. Ça peut être... ça peut être pas mal. Au moins, ça nous fera de l'argent ou quoi. Pour demain. Non, rien. Rien pour nous. Rien pour nous pour le moment. Il nous reste 2 minutes 36. Attention, pas le droit de passer une seconde de plus dehors. Il faut être rapide. Non, il n'y a rien par ici. Je vais rapidement... Hop. 2 minutes. Putain, j'ai entendu une... Ah, un meuble. Un rouage. Très bien. Je prends. Il me reste 2 minutes. Hop. Ça, c'est fait. 1 minute 51. Putain, j'ai pas réussi à prier. Dommage. Hop. Ça, c'est fait. Minute 36, 1 minute 34. Minute 27. Allez, 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 on est dans la dernière minute de jeu. Je continue à... Oh, il y a un ballon. Les gars, il y a un ballon, je sais pas où il est. Je sais pas où il est. Il est là. Il est là, il est là. Allez, c'est parti, on le prend. Si c'est des pépites de fer, franchement, faut qu'on aille super vite. Non, c'est un serre-livre. Ok. Donc, c'est pas du tout... c'est pas du tout ce qui nous intéresse. Bon, 42 secondes.
Je pense qu'on va être bon. On récupère les 2-3 petites merdes qu'on a laissées au sol. Hop. Je pense qu'on est good. 29 secondes. Allez, je prends ces petits trucs-là. 24. Ok, on est bon. On va rentrer à l'intérieur. Bam. Et on arrête le chrono à 13 secondes. Wait, le lapin voulait te voir. J'ai pas le droit de lui parler tant que j'ai pas de masque. J'ai pas le droit de lui parler tant que j'ai pas de masque. Alors, je vais juste récupérer tous mes Milesnook. De manière à pouvoir terminer. Parce que là, j'ai le droit, vu que je suis à l'intérieur, j'ai le droit de faire ça. Hop. Le boss de la bis. Boum. On va chercher les fruits pour tous les goûts. Donc la poire. Très bien. Il y en a encore. Hein. Il y en a encore. Les fruits de la mer. Très bien. Ensuite, vœux papieux. Très bien, on en a fait 4 visiblement de vœux. Terre meuble. On est bien. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que j'ai fait? Non, il y a des trucs dans le My Snook Plus. Je les récupère. Et on... Eh ben on va être good, hein. On va être good. Eh ben écoutez... Merci les amis de YouTube d'avoir suivi ce deuxième épisode. On avance pas mal. On a quand même réussi eh bien, à faire avancer le musée. Malheureusement, on n'avait pas assez de pépites de fer pour pouvoir s'en sortir dans la construction de la boutique. C'est pas grave. Ce sera la prochaine fois qu'on ira voir la boutique. Ce sera samedi. Samedi à 17h en live sur Twitch. Merci à tous d'avoir suivi l'épisode et surtout n'oubliez pas, restez comme vous êtes car vous êtes super, c'était Nucitaf. Bye tout le monde!